Toujours plus loin en enfer pour sauver les gens que l'on aime. Salut à tous, c'est Lou, nouvel épisode de Bayonetta 2. On essaie de sauver Jeanne et nous sommes entrés dans les profondeurs des enfers grâce à Little One, notre ami. Donc, le petit garçon, le petit chenapan. Après une altercation avec le prophète, étrange personnage, et le sage lumène masqué qui nous suit. Et qui en veut au garçon. À quoi ressemblent les enfers, du coup? Ah. Jeanne. Oh là. On va vite sauver Jeanne, là, hein. Ok, on regarde s'il n'y a rien, hein. Pas de trucs cachés, comme d'hab. Oula, et oh, oh, oh. Et les vers géants. Aperçu de l'enfer. Ouh. Alors attends, parce qu'à mon avis, oui, voilà. Ça commence bien, un défi. Allons à Muspelheim. Hop là. Envoûtement désactivé. Ok, très bien. Débarrasser du relou là avant qu'il mette de la rage partout. Alors, on dit quoi de ça? Un cœur de sorcière. Avec mon cœur de sorcière. Oh, déjà? Eh ben. On en récolte des affaires. Aïe. Retour sur le chemin. Du vermifuge ici. Alors, attends. Par où je dois aller? Les petits trucs merdiques là. Oh attends, deux secondes. Déjà. S'occuper de ça. Et je croyais que j'étais toute seule là. C'est bon, on est calmé. Je pense que par là, c'est une zone bonus. Reviens, oiseau de malheur. Oh là là, relou. Bon, attends. Il y a un coffre là-bas. Eh, mais pourquoi elle s'est détransformée là? En même temps, je peux me retransformer en corbeau. Un testament de Midas. Très bien. Et voilà. Alors je suis pas sûr de pouvoir aller là-bas. On va tester. Peut-être que le chemin va se
faire au fur et à mesure. J'ai l'impression, oui. Mais du coup, est-ce que j'ai tout exploré ce qu'il y avait là-bas? Je crois qu'il y a encore une plateforme. Ah, sauf que je suis plus aligné. Mais non! Ah, mais quelle bécasse! Ah, crotte! Si je veux rentrer là. C'est bien. Alors, le breakdance, je sais que tu aimes danser le breakdance, mais. Bon, ok, d'accord. On peut plus retourner en arrière. J'aurais dû voir ce qu'il y avait de l'autre côté. C'est pas grave. Voilà. Ok, faut juste que je l'évite, d'accord. Moi, je veux l'attaquer, hein. Oula. Ça se ramasse ou pas? J'ai l'impression. Oula. C'est très beau. Hello. Or quand même. Fantasma irané. Tisse sa ardence. Ardente, pardon, ardence. On la retrouve dans mon état 3. Formidable. L'envoûtement dure pas très longtemps. Oh, mon petit, ma petite araignée, crois-moi que on va devenir bien copains dans le 3. Ah, puis elle m'envoie ses bébés bombes là. Badaboum. Mmh. Minute papillon. Les œufs d'alien là. Rien d'autre. Rien d'autre. Attends. Non, ok, c'est juste un truc de déco. Équilibre. Le bar? Non, pas maintenant. Oh, 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 oh. Hé! J'ai vu un coffre derrière.
Très bien. Hé hey. Bim. Oh là, nouveau démon. Ça a pas l'air cool lui. Mon dieu. Resentment, le corrupteur intemporel. Qu'est-ce que... Oh! Ah ouais, il est violent. Donc il me retransforme en petit enfant et puis il me tue. Faut refaire toute la séquence. C'est con, j'avais fait une belle attaque sadique là. Hé hey. Madama, à toi de jouer. Merci. Hé hey. D'accord. Eh, hey, laisse-moi faire mon breakdance. Oh purée. Regardez. C'est drôle ça, c'est ce que j'ai acheté la fois dernière. Là on fait gaffe. Surtout pas se faire transformer en enfant pour se faire absorber après par Resentment, le corrupteur intemporel. Notre ami que l'on croise aussi dans Bayonetta 3. Donc, ok, on peut aller par là, mais... Il y a un coffre... Ah bah attends. On le voit. Il est simplement caché là. Une méga sucette lunaire jaune. Une sucette géante contenant un extrait magique qui permet d'être insensible à la douleur pour une durée prolongée. Autre chose dans le coin ? Ce serait bizarre qu'il n'y ait rien d'autre. Un disque d'or d'hymne angélique. La passion selon saint Matthieu aux têtes couvertes de sang et de blessures. Oh bon, soc, soc, soc. Il y en a deux. Il y a qu'un seul qui attaque là. L'autre est un peu en mode qu'est-ce qui se passe. Oh purée. Non. Oh c'est pas vrai. Thank you.
Oh. Bah dis donc, ce disque angélique là, il... Eh ben, j'espère qu'on aura les autres morceaux du coup du disque. Ouais, dégâts, je me suis fait bien. Ouais. Eh ben, c'est comme ça, écoute, c'est ce que je te dis. Ça a le coup quand même. Tu vois, il y a plein de petits passages quand même. Bien exploré. Ici. Pain. Faisait longtemps. Ok. Peut-être devoir se soigner quand même, Bichette. Ah bah voilà, 2 sur 3. Faut trouver le dernier, hein. Une nouvelle arme, ce serait cool. Je la mettrais plutôt au pied parce que j'aime beaucoup la faux quand même. Attends, Ok, je vais aller par là. Un petit défi aussi au passage. Ne te fais pas toucher. Oh, ça devrait aller. Voilà. Rien de sorcier pour une sorcière. Platine pure, forcément. Enfin forcément non, parce qu'avec le temps ou avec les... Enfin pour les dégâts, c'est sûr que je devais avoir le maximum, vu que je pouvais pas me faire toucher. Ok. Oh là, wow, 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 wow.
Attends. Je cherche le dernier morceau du disque de Mireille Mathieu. C'est un peu crasse-pouille ici. Par là. Ah, oh. Nouvelle amie. Très cool. Scalpereur, c'est toi? Tourmenteur, arrogance, los, la paresse. Il est chiant hein, tout le temps se balader en l'air là. Eh, oh. Hein, bon. La sucette. Même pas de morceau de disque. Alors attends. Hé, une arme. Attends, on va garder l'arme de notre ami là, notre nouvel ami. Par où je suis arrivé? Par là? Je vais reconnaître, oui, c'est par là que je suis arrivé. Donc logiquement, il faudrait aller par là, mais peut-être que... Oui, il y a un chemin par là, c'est ce qui me semblait. Déjà regarde. C'est pas ça que je voulais faire. Oh, va aller vite. Oh pitié. Bon. Super. Quand même moyen, je pense. Pas louper celui-là. Ils sont généreux en temps. Allez. Oh, bien. 3 sur 4 à nouveau. Oh, ça va vite, hein. Un petit morceau de disque angélique. Ouh là là. Une baston ici, oui. Clairement, tu vas pas enrager les gens. Ah, il y en a deux. L'autre est déjà chiant par en normal, mais alors en enragé. Laisse tomber quoi. Ok, c'est bon, parfait. Disque angélique. Oh, ouf, je me plains d'un cœur de sorcière. Ça c'est vraiment... C'est juste que je veux vraiment le disque angélique. Alors, ok. Vraiment pas dans le coin. Hein.
Non. Allez. Ça fait plaisir. Bon, il se lève peut-être après. Enfin. Ok, alors, attends, minute. Rodin. Why, if it ain't Bayonetta, fancy finding a witch like you in a place like this. Rodin, don't tell me you came here to rescue me, like some kind of knight in shining armor. Rescue? Do I look like the rescue in town? If you were to kick the bucket here, I'd be all over your soul like a hungry hyena. Oh là. Le retour de la Remanta. Right. I'll go easy on you guys. So let's have some fun. Il plante pas la Miroro. Pain, ok. Attends, Pain c'est l'autre, je crois. Enfin, Pain c'est lui plutôt. Et l'autre c'est encore un autre jeu qu'on a vu tout à l'heure. Il est un peu plus puissant. C'est bon? We're here. And so is my target by the looks of it. Jean, there she is. Hold up. You're not seriously thinking of getting between a man and his next payday. Chill, Bayonetta. Don't go shooting up my target, you dig? I need that one intact. Oh! Zizir. Bah, j'ai pas eu le troisième. Ah, oh, il devait être juste avant. Regardez, là, il manque un petit verset. Ah, deg. Encore une arme de loupé. Sloth. La reine de l'enfer. Vaste programme pour le chapitre 11. I came to pick up a friend. It's almost her curfew. Clear, Coronzon, Mua, Cripple, Kranz, Aquas, Madrid. Tilgav, Rives, Abdmach, Amd, Gefa, Zax, Kotsp, Old, Und, U.
scoop clean. Babylon apakna niso. Nini banglasti found snunkf. Prinsar. Nunk the pure and gap. Tel class. Purest glass on pee. Are you still going to forgive me my trespasses now? What are you going to do without your precious palace? Azakar Nunk, his Umbra Koronzont. Kasam Nunk, for Bowen Eran Madama Butterfly. Nikma Hai, Las Madama Butterfly. Notba Katsba, Zerdo Umf, Zerdo. Quel peut être l'ennemi de ce papillon? Bien évidemment, une fleur, une rose, Alrone. La soupirante de la déraison. Madame Butterfly, au cross blanc, croissant l'ose. L'ose au tord, au basquim commandant. Aussi drama que Bayo. Viens ici, chérie. Ma belle rose. C'est tout ce que tu sais faire. Alors Ron aussi se retrouve dans mon état 3. Hein. C'est un démon caché, je l'ai pas encore débloqué. Je vous invite à voir mon let's play de mon état 3. Qui est aussi fou que les deux premiers. Ah. En mode scorpion. Soupirante de la démence, cette fois-ci. Almost.
Allez, viens. Très grosse, mais elle a du mal à me toucher. Hein. Oula. Non, garde ton âme. Il y aura des attaques, ça doit être une attaque qui tue en un coup, ça. À moi. Jean. Woman, I thought I told you to chill. You got more important shit to do than dealing with this monstrosity. Jean. Jean, get up. You're going to be late. Jean, it's time. Get up. Please, Jean, wake up. John. Sir Hesa. What do you need? A wake-up kiss or something? You never were much of a morning person, were you? Hmm. This... but this is... So, Reza, you came here to rescue me? Are you insane? You took the words right out of my mouth. Let's go. What's happening? You need to get back to your body, and get some rest, too. Be careful, Cereza. Something big is going to happen to our world. I know. Just go home, and no stopping or turning around along the way. Thought I'd fucked up my business. Gotta hand it to you. This is quality. The perfect palette for an artiste. Now, time to do my dirty. Feels nuts, Potter. Eh oui, la spécificité de Rodin, c'est utiliser des démons et des anges surtout pour faire de nouvelles armes. So that's how that works. Well, not very romantic.
got a nice glow about it, don't you think? As for its power, well, you don't need me to explain the finer points of fucking shit up, do you? Mm. Little one. Got them all lined up waiting to be saved, huh? Don't forget about your new toy. Une nouvelle arme, ça me plaît ça. Et un très beau cheval. Oh, tellement de thunes. On va pas dépenser tout de suite, comme ça je ferai un Alruna. Je ferai un gros achat comme ça d'un coup. Mais j'ai hâte de tester ce fouet. Alors, oula, attends, climax. Oh. Esquiver comme d'hab, taillader, taillader, sauter, tirer. Ok, bon. Ah. Oula. Gomorrah. C'est Gomorrah, oui. Il est tellement classe ce cheval. Aïe, mince. Ça va encore. Hmm. Hmm.
will cost you your life, witch! So you're saying diplomacy has failed, then? Mm. Surrender, or it will be more than your mask. C'est Jeanne Balder. Umbro, witch. Or shall I call you Bayonetta? That seems to be what people call me these days. Very well then, Bayonetta. You shall be the first Umbro witch to die at my hand. Encore Balder, décidément. On s'affronte un peu trop, papa. Regardez sa barre de vie, elle est magnifique. Parce qu'il a tué ta mère. This is impossible. Little one. Where am I? Bayonetta, you get away from me. Mmh. Oh, mais dites donc. On veut en savoir davantage quand même.
Avec ça, j'ai même pas testé. Oh. Retour à Vigrid. J'ai même pas testé ma nouvelle arme. Alors que j'aurais pu là pour le combat, au fait. Bon, c'est pas grave. You got halos. I got items. Welcome to the foundation of a barter economy. Le ticket de platine est désormais disponible au magasin? Que fait le ticket de platine? Il est où ton ticket de platine? Oula! Ah, oh, c'est le ticket pour affronter Rodin. Oh mon dieu. C'est pas si cher que ça. Attends. Ah si, c'est 9 millions. C'est pas 999 999, c'est 9 millions. Ça, c'est une somme incommensurable. Ok, bon. On va d'abord finir les techniques. Quoique, regarde, il me reste 100 000. Est-ce que pour 100 000, je me prends pas un accessoire qui serait sympa? La lumière de Sélène, l'envoûtement automatiquement activé. Quand on a un coup. Communicateur infernal. Ah, c'est pour faire apparaître le petit démon. Papillon de palais. Protection divine. Étoile de Dineta. On regagne de la santé quand on provoque l'ennemi. Le rosaire maléfique. Donc la contre-attaque, mais qui vide, mais qui empêche d'utiliser le... Comment dire? L'envoûtement. Ça, c'est pour... C'est pour énerver automatiquement les ennemis. La lune de Mahakala. Repousser les attaques ennemies. Le reste, on sait pas trop. Ça peut être bien, hein. Quand je me prends un coup, hop. Après tout. Merci mon bon Rodin, avant que l'on gagne quasiment 10 millions de balles pour pouvoir essayer de t'affronter et puis pas réussir parce que tu vas être redoutable comme d'habitude. En tout cas, c'est la fin de cet épisode avant de retourner à Vigrid, vous vous souvenez, c'était dans Bayonetta 1. Donc je vous invite à aller voir mon let's play de Bayo 1 et de Bayo 3 évidemment, quand vous aurez fini ce let's play de Bayo 2. On se retrouve bientôt pour la suite, comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao ciao.